Salut à tous. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment enlever les bases de données corrompues. Alors, c'est tout simple. Vous éteignez la PS4. On attend un peu pour que vous puissiez suivre. Faut bien attendre que la PS soit bien éteinte, qu'elle clignote pas. Alors, voilà, là elle commence à s'éteindre. Voilà, elle s'est éteinte. Alors, je vais vous montrer de suite. Vous avez entendu le premier bip et vous allez jusqu'au second bip et après le second bip, vous arrêtez. Hop, là vous avez entendu. S'il y a des pixels, c'est normal. Là, on vous demande de connecter le câble USB à votre manette. Et après, vous appuyez sur la touche PS. Après, vous descendez dans... Reconstruire les bases de données. Ok. Là, votre PS4 va s'éteindre. La base sera allumée. Voilà, elle s'est rallumée là. Là, ça rallume. Regardez. Reconstruction des bases de données. C'est très rapide. Hop. Et voilà. Et là, vous rappuyez sur la touche PS de la manette. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner.